Nico. Check, contrôleur, check. Oh putain, t'en as un derrière. T'en as un juste derrière et un qui arrive. C'était un bon gars. Parti en couille. Ça y est, t'es en train, ça se passe. Ouais, moi je suis chaud, là, je suis là. Bon, je suis désolé, tapis, mais je sens extrêmement mauvais des aisselles. Parce que je suis dans le train depuis 10h ce matin et j'ai pris une douche quand même ce matin, mais j'ai du mal à me supporter. Alors j'espère que bon, je vais rester un peu comme ça là, jusqu'à Lisieux. Voilà, Lisieux. Ouais, changement de train à Lisieux. Je vais à Deauville m'amuser, me concentrer et shipper le PT. Alors là, par contre, là, tu me revois pas avant un petit moment. Hein. Je suis désolé, mais tu vas garder le chien un peu. Parce que là, je fais direct un petit virage par. Peut-être à Londres, là d'abord, après passer par Vegas, hors saison, ça peut être cool. Puis je t'appellerai de là-bas. Je t'aime, ma chérie. Santé tapis. Tac, tac. Tapis, mon frère, qu'est-ce que tu nous prépares là? Tu me filmes trop, tu m'as pas filmé à Amnéville, ni à Evian, ni là, ni même à Cam. C'est suspect ce que tu fais, frère, c'est très suspect. Antoine. Et comme on perd des joueurs et bon, on rajoute des commentateurs, c'est comme ça, et là on a récupéré un certain TV Star, un certain fake. Salut fake. Salut Julo, salut Tata. Salut, bah c'est l'heure des problèmes, hein. Si vous avez des enfants de moins de 16 ans, votre compagnie, c'est le moment de leur dire allez, de se casser, de dégager, va à l'école, va faire tes devoirs, parce que bah, c'est l'heure où plus personne n'est responsable de rien, le gars peut monter sur la table et danser. C'est très possible. Voilà, on ne contrôle plus rien. Comme je dis, il manque vraiment une belle perf en live. C'est quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup, malgré le fait que c'est vrai que c'est assez... Le live, c'est frustrant, hein, y a pas à dire. C'est quoi une belle perf? C'est faire une TF? Ah ouais, une très belle perf, ce serait une TF. Après, honnêtement, je pense que rien que pour la confiance, rien que faire un item sur les FPS, voilà, tu pars sur le PT avec moins de pression. Et donc, mais bon, après, c'est sûr que bah, tout le monde, hein, je crois qu'on est 1000 à chaque fois à rêver de faire une oui, TF. Oui, hein, c'est tu diras, et voilà, il va falloir éviter les balles, hein, mais... Pas beau ce Sidro. De toute façon, il est à Steven juste là aussi. Oui. Zéro pression. Oui, bien sûr. Et t'imagines, il a mis Nekfeu, il arrive même à grain sur des turbos en live. C'est un truc de ouf. Genre, il est rentré dans 10 pots, il a gagné les 10 pots. Le mec a doublé le stack sans showdown, rien que dalle. Propre le petit grinder. Ouais, FPS comme d'hab, hein. Je peux rien faire. Les As craqués par Dame 6, As Dame contre 3 Dames pour finir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est le poker. Hein. Ouais, toi, sinon, t'as trouvé là pour ton reportage le 3ème? Non, bah je cherche, tu vois, là, pendant les mecs, je regarde les mecs du FPS, mais. Ouais, bah. Je sais pas pourquoi tu me prends pas moi, c'est pas mal, non? Je suis connu, en plus, on se connaît bien, je fais le PT, en plus, c'est parfait, non? Ouais, mais je t'ai déjà filmé plein de fois et tout. Ouais, mais bon, tu m'as filmé, c'est pas. Enfin, de toute façon, tu vas filmer qui? Tu vas pas prendre Alban Juen ou un mec comme ça, non? Attends, mais si, j'ai une idée. Coralie Kinect. Enfin, de la maison du bluff. Ouais, mais j'ai déjà Sébastien. Et alors? Ça fait genre deux de la maison du bluff. Quoi? N'est-ce pas? Je vais faire le PT, ouais. Je ferai un satellite quand même. Si je peux éviter de le buy-in, ce serait pas mal. Et ouais, je me suis dit, Deauville, je me l'offre. Je vais me l'offrir celui-ci, ouais. Donc voilà, il y a un beau field. Si on dit prod, on sera avec les copains français, ça peut être que sympa. Donc voilà, ouais, le PT, ouais. C'est l'objectif numéro un. T'aimes bien être filmé par des caméras? Ah, j'adore. Faut que tu m'aides à trouver mon troisième personnage.
Ton troisième personnage? Ouais. Ton troisième personnage... Bon, j'en ai un. Bon, il est pas très bon au poker. Hein. Le gars a un melon comme ça, il est nul. Mais... Bah alors, j'aime bien son grand frère. Tu vois, le gars, il en a dans la tête. Tu vois, le gars a vécu. Le petit con là, comment c'est Mika. Non, bah non, Mika c'est le bon, le méchant. Vincent. Bon, je sais pas, il s'est fait appeler Necfeu. Bon, il prend une tonne d'argent, certainement volé, du blanchiment, des trucs. Il est pas clair, mais il est là. Et à mon avis, il kifferait. Il m'a dit, moi j'adore Tapis Volant, il a l'air un peu écervelé, mais je l'aime bien. Donc bah, je pense que tu devrais aller voir. Très simple, très simplement. Necfeu. Sinon, moi là-bas. Le problème, c'est que ouais, tu peux le suivre sur un tournoi. Bon, bah... Non, il y a du mieux, la vérité, il y a du mieux. Bah j'avais pas vu les enquêtes du FPS. Ouais, la vérité. J'avais du temps de libre, j'ai sauté en premier. Et là, j'ai vu les entées dans 3 sauts. Évidemment, voilà. Avec une boucle. L'étape de demain, c'est atteindre le premier break. On atteint le premier break. Donc voilà. Donc, Molaba, très bien. Bon, pour tout ce qui est short film, bande-annonce, tout ce qui est long métrage, Molaba, tu peux pas. Mais tu peux pas, le gars, il ne reste pas. Ah, mais ça, on va se filer nos trucs de stage de boutons après. Ouais, c'est dégueulasse. Pour défoncer le ventre. Ah, tiens, c'est Mario. Je savais que j'aurais le déguisement le plus ridicule. Ils sont bien les déguisements. On se rapproche d'avant. Ouais, ouais, ils ont tous la classe et voilà. Et puis moi je suis là. Ouais, puis on a Assassin's Creed, on a Ken, Ryu, Mario, Lara Croft. Et un Angry Bird. Voilà. Alors moi je vais faire oh oh comme un con. Mais bon, j'accepte la sentence. Après tout, c'est moi le dernier venu, donc comme ça. Bah, de derrière, ça prend encore un petit peu. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis un peu moulant. Hein. Qu'est-ce qu'on nous fait pas faire pour Poker Star? C'est ridicule. C'est ridicule. L'année prochaine, ça va coûter beaucoup plus que 35 000 €. Hein, parce que ce contrat, ça vaut pas du tout. Un Ken. Et moi. Attends, mets ton petit. C'est bon? Vous me dites? Ready? Oh! Ah bah vous avez un petit problème de tuyauterie. Tout problème. C'est un petit problème de tuyauterie ou pas? Je suis plombé. Oh putain. Alors si vous cherchez des nouveaux personnages pour vos films, je suis là. Je peux jouer toutes sortes de films, je peux jouer la tristesse. La joie. Et l'incertitude. Ce mec-là a appris le poker en m'écoutant parler, hein, quand même. C'est ça qui est beau. Avant, il ne connaissait pas le poker, il préférait le Uno. Jouer avec une carte. Il a perdu un gant, tu vois. C'est un peu les mecs cons qui ont perdu des gants. Ah nice. Oh, petite blinde, voilà. Il va faire des bêtises ce soir. C'est bonne. Extraordinaire. Il faut le dire. Les gueules, mais j'ai pas eu le temps d'aller chez Beretta. Ça, c'est une vraie jeu sponsorisé. Voilà. Elle va au bout des choses. Investi à 100%. Tu vois, si on avait flopé aux États-Unis, il y aurait des guns chargés, ça aurait été bon. Ouais. Le vrai déguisement, c'est ça? C'est beau. Je regrette pas. Hein. Peut-être vous. Bertrand, faut qu'il fasse un. Ça va passer. Il est où le bec? Tu peux pas trop oublier un peu cette fille. Tu peux faire à Paris aussi. Hein? Parce que tous les FPS. Oh, oh! Moi, je suis corporate. Ça y est, je disjoncte. Ça va pas? Comment on fait? Bulle! J'ai le bâton magique? Alexis? Wouh! Regardez les cheveux. Prends ton temps.
Bon, 35 blindes, c'est 35 blindes. Ah. Putain, c'est chiant. Petite clope avec le cri des mouettes. Autant à Cannes j'avais des vibes parce que je rentrais dans beaucoup de co et je suis monté assez haut vite, mais là il n'y a rien à faire. Là il n'y a aucun spot de squeeze light à prendre, aucun. Tu as 0% de fold equity donc. Et malheureusement le problème c'est que maintenant dès que je vais relancer, ouais, je vais être un peu grillé. C'est pour ça que j'aimerais peut-être profiter de l'image. Là c'est typiquement l'expression on repart vraiment à la mine. Pas des deux. On y va. New level. Comme d'hab, hein, la frustration. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, mauvaise lecture et puis voilà quoi. T'as fait quoi en fait? Bah j'ai 23. Fall. Je suis petite blinde. Les 6, 2000 sur 800, call. Flop As, 2 rois avec 2 piques. Je sais bête, call. Turn 7. Deuxième barrel, call. River 9, je push. Call As 2. Mauvaise lecture. Voilà. Je me dis deux paires, il me relance. Il a peut-être un As moisi, il peut fall. J'ai une image quand même assez nitty. Il a peut-être un draw, il a peut-être si ça, mais bon, voilà. C'est le genre de coup ultra standard, je suppose, au poker. Peut-être que je dois check fold river. Bon, après, je profitais de mon image aussi. Petit pot à l'average. Tu vois, ça joue à pas grand-chose. Hein. Et non. Et finalement, non. 400 balles à la roulette, tout sur le rouge. Vous avez été... Allez, on se frappera le PT. Ah ouais, carrément. 80K. Ah lui c'est encore plus sale que moi. Là c'est du vrai sale, tu sais, les As contre les rois, le roi river. Ah t'as vu Céline et You, ils y prennent cette année. Eh ben c'est bien. On a plus suivi l'année dernière. Ils ont inversé la tendance, c'est une bonne chose. On fait un random. En fait, t'as un mec, il vient raconter un coup, un random gars dans l'audience. Ouais, ok. Ouais. Le mec, il raconte le coup. Le gars, il sait pas trop. Enfin, bon, il fait genre, il se barre. Le mec raconte le coup, il se barre et on fait venir un autre mec. Il faut, ok, j'ai vu que t'as entendu le coup, maintenant tu me le racontes. Ouais. Si le mec qui raconte bien, yo, frère, c'est un truc. Et si le mec. C'est une bonne idée, ça. Et si le mec qui raconte mal, on le dégage. Ouais, c'est vrai que ça va être très bon, ça. Demain on peut le faire ça. Retourner 6-15, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Pardon monsieur. On murmure que ça serait un flip. Pardon. On murmure que Benjamin, Nico et Adam. Sur ça qu'il est. Pourquoi pas retourner. C'est ok. I will. J'ai jamais vu mettre des jetons dans les sacs. À... Sérieux ouais. Tu rigoles. À Cannes j'ai fait 23. Oui mais je peux filmer. En vidéo, tu veux dire. Tu n'as jamais eu la chance d'enregistrer ce moment exceptionnel. Ben voilà, c'est fait. Et pourtant, ça va être l'image de la journée, ça. Je suis Céline l'an dernier, quoi. Ouais, mais on s'en fout. Parce que si jamais elle chip, de toute façon, t'auras assez d'images pour faire croire que bah, j'avais prévu de faire un film que sur Céline. Ah là 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 là. Et après, elle sera complètement. C'est génial, j'ai gagné le FPS. Elle bahine le PT, paf, tu la suis sur le PT. Et après, à la fin du film, ça se finit sur une plage, tu sais. Et elle écrit j'aime ma vie, tu vois, avec son pied. Tu vois, ce serait génial. Sauf en soutien-gorge, parce que c'est CC. Tu vois. Donc tu fais deux fois les views de Live in Deauville. C'est encore mieux. Paul Guichard pleure dans sa chambre. C'est super. Par contre, il faut gagner le FPS pour ça. J'ai vu les toi tranquille. Bah ouais. Alors, tu vas prendre de l'oseille? Je sais pas, on verra. Hein. On va essayer. Si on fait comme l'année dernière, ce sera déjà bien. Donc à zéro. De toute façon, on s'en est tourné par contre. La sacoche, il y a deux doigts de prendre la sacoche avec tout l'oseille. Avec tout l'oseille dedans.
Non, mais t'as déjà tes joueurs. Non, il m'en manque un. Ah, il t'en manque un? Bah, c'est qui tes joueurs? J'ai Fake. Fake, ouais. Et Franck Calfon. Et Franck Calfon, l'agent Calfon. Ouais. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Franck est juste derrière nous et qu'il nous regarde. Parce qu'il a les oreilles qui sifflent. Non, comme joueur, bah non, mais tu rigoles, mais franchement, Franck Calfon, ça pourrait être une bonne idée, tu vois. T'as un joueur qui est sur la pyramide des âges français, tu vois, qui a pas 15 ans, qui a fait 6e l'année dernière, tu vois. Ça pourrait être la suite de la ville de ville, tu vois. Mais Calfon, c'est pas une blague, hein, je le sais. Ah non, mais t'es vraiment sur Franck Calfon. L'agent Calfon, non, mais t'es sérieux là? Ouais. Non. Enfin, ouais. Attends, mais c'est le mec qui voulait te casser la gueule au départ, Philippe Calfon et tout. Tu te souviens quand il avait débarqué à la CF? Est-ce que tu te souviens quand il a débarqué à la CF? C'est qui tapis volant? C'est lui le mec du club poker. Et le lendemain, il était arrivé avec un t-shirt. T'avais pris en photo. Ouais. Non, c'était bon. Je suis juste en train de lui raconter une histoire. Quand je me fais casser les as souvent, j'ai ma femme un jour qui m'a dit: mais quand tu sens que tu vas te faire casser les as, fold les pré-flop. Et je suis en train d'expliquer ça. Et lui, il a coupé la partie où je dis c'est ma femme qui m'a dit ça. Et il fait croire à tout le monde que je suis en train de dire qu'il faut savoir folder les as pré-flop. Voilà. Mais bien, bien monter cette vidéo-là, ça peut faire un truc terrible. Comment ridiculiser quelqu'un et... C'est bien la 16. Tous les parisiens ici. Comment c'est possible d'arriver juste à côté? Bah j'en sais rien. C'est bizarre ça quand même. J'ai fini devant. Alléluia, alléluia, que Dieu me bénisse. La meilleure main de la journée, hein, sans déconner. Hein. Depuis de. Y'a que ça? Ah, le reste, donnez-moi un poney. Et là-bas, non, monsieur, non. Hein. C'est horrible. Mais je me disais bien qu'il voulait revenir, tu sais, il rigolait à l'intérieur, il avait envie de retourner à la charge, t'sais. Il a pas eu assez. Surtout qu'on pris assez cher. J'ai pris taxi de Lisieux jusqu'à Deauville. C'est vrai? C'était bien. Waouh! C'était une folie, ouais, donc voilà. Tu nous refais ton waouh? Ça, il va vraiment faire chier. Il faut vraiment focus sur lui pour le son, c'est assez magnifique. Pas du tout, le son est très correct. Et demain, tu commences? Ouais. J'ai dit la même chose. Alors là, il fait tapis. C'est l'heure, ça me donne un cachet supplémentaire. Je vais passer commenter aussi. Santé mon petit TV, santé. Dans deux jours, ce sera peut-être certainement le dernier, le premier, le dernier. BTF. Si TF, ce sera pas le dernier. Mais je regarde les dieux du poker là, et je leur dis, transvaser tout le fluide de Erwan Pécheux à moi. Dès la fin du FPS, vous faites, je sais pas, des mères 3, tu fais un transfert. Voilà, et hop, tu viens me le greffer pendant la nuit. Ça, je vais faire pendant la nuit, je vais réveiller Bala. Je vais dire, ça y est, j'ai les dieux du poker avec moi. Vous passez tous tes flips, c'est comme ça, y'a pas de secret. Bon, finalement, quand je vais arriver à table, je vais voir les mecs, je vais faire en plus. Ah ouais, bon. Allez, on y va. Voyons, ouais, 1,8 million, 3 millions, ouais, d'accord, ok. Eh, mon gars, j'ai gagné une mini-express, qu'est-ce qu'il y a? Deux fois, qu'est-ce qu'il y a?